Salut! Dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir trois duplex d'ascenseurs du même fabricant d'origine, mais qui sont pour deux des trois duplex modernisés par deux différents fabricants. Pour la première vidéo, voici un duplex d'ascenseurs Schindler ou Schieren, modernisé par le fabricant finlandais Kone. Vous allez voir toute la partie mécanique des portes, les portes, les cabines ainsi que probablement les machines en salle tout en haut sont encore d'origine même après la modernisation. Ici on voit bien que même l'ancien système de capteur de présence de personnes et d'obstacles lors de la fermeture des portes est encore présent et fonctionnel après la modernisation. Capteur qui doit être touché pour signaler à l'ascenseur que quelque chose se trouve entre les portes et ainsi rouvrir celle-ci. Par contre, les anciens afficheurs d'étage au-dessus des portes sont présents mais plus fonctionnels. Ils sont rapides ceux-là. Pour la deuxième vidéo, voici un autre duplex d'ascenseur qui visiblement remplace quelque chose de plus ancien, à en voir la cage en verre typique des années 50-60.
Il s'agit de deux Schindler M-Série de 1991 modernisés par Schindler, mais là aussi, une majorité des installations de 91 sont gardées, ce qui est rare pour une modernisation par Schindler. On voit encore les anciens opérateurs de portes, ainsi que les portes et les cabines du premier emplacement de 91 d'origine. Et je remarquerai aussi que des câbles de traction sont encore présents sur les cabines, ce qui me fait croire que les treuils peuvent être encore d'origine, mais pas sûr. Ce qui est exceptionnel, car Schindler opte quasiment tout le temps pour du gearless et des courroies de traction pour les modernisations d'aujourd'hui. Ça, c'est des belles modernisations, tu vois. La cabine est d'origine, les portes sont d'origine, les boutons sont de la machinerie est d'origine. Non, les boutons ne sont pas d'origine, c'était du M-Série à la base. Ceux-ci ont été remplacés. C'est un duplex de deux ascenseurs Schindler R-Série encore d'origine sans aucune modernisation.